Caldwell, je vous prie. Oui, c'est personnel. Commandant Caldwell, ici Floyd McLean. J'ai tenu à ce que vous soyez le premier à être au courant. Je me suis taillé. Possible. Je peux quelque chose pour vous? Vous vous rappelez Floyd McLean? C'est votre copain, pas le mien. C'est fou ce que vous êtes marrant. Floyd McLean. Truand américain, expatrié, compromis dans la contrebande et une quantité de mauvais coups. Alors voyons, vous devez savoir tout ça, non? Vous l'avez envoyé en tôle pour 200 ans. Avec réduction pour bonne conduite. Il s'est barré ce matin. Il est gonflé, le gars. N'oubliez pas qu'il a fait des promesses lors du procès. Oui, deux en particulier que je me rappelle. Il a dit qu'il aurait le procureur Hans Eckert. Et vous? Or, McLean a la réputation de toujours tenir ses promesses. Le procureur Eckert a été prévenu et il est bien protégé. Alors, ce sera vous? Oui, mais d'abord, j'ai quelque chose d'important à faire. Donc vous voulez que je retrouve McLean à titre de service personnel envers vous? Vous oubliez que vous travaillez pour moi. Merci pour le whisky. C'est chouette, hein, de rencontrer un vieux copain. Par hasard. C'est risqué de passer des cigarettes en Hongrie, surtout ces jours-ci. On le fait tous, la vie est si dure. Un petit conseil gratuit. N'y va pas aujourd'hui. Les patrouilles de la douane t'attendent. Quelqu'un leur a filé le tuyau? Quelqu'un m'a filé le tuyau. T'es un mec vraiment bizarre. Toutes les fois que tu rends service à un copain, ça n'est jamais si simple que ça. Pourquoi? Qui a parlé de service? Floyd McLean s'est évadé. Toute la police autrichienne lui court après. Je sais comment l'aider à quitter le pays. Et pas pour rien. Pourquoi tu me dis ça à moi? Parce que tu as passé de la cam pour McLean. Et si je mets dans le coup certaines personnes, il sera prévenu. Je serai au Prater, près de la Grande Roue, à 1 h cet après-midi. Thank you.
Il s'est emparé de son arme. Il y a des façons plus faciles de s'emparer d'une arme. Dites-moi, le procureur Eckert, il est vraiment protégé? Dans la mesure où il le permet, car cet homme est extrêmement têtu, comme vous, mon cher Caldwell. Floyd MacLean, avec une arme. Oui, entrez. Commissaire, on a repéré MacLean près du frater. J'aurais parié que vous seriez là, en spectateur. Quoi que vous fassiez, Monsieur Webster, vous n'êtes jamais spectateur. Surtout quand on veut tirer profit d'une situation plus ou moins désagréable. J'ai lieu de croire qu'une explication détaillée vous intéressera, pourvu que j'en ai une à vous fournir. Je ne demande qu'à vous offrir cette opportunité. Allez. Ah, ça va rendre les choses plus difficiles. Soyez sûr que vous ne trouverez pas ça amusant bien longtemps. Il a réussi à nous semer, commissaire. Continuez les recherches. Patrouillez dans tout le secteur. À vos ordres. Nous partons. Un de ces jours. J'espère que vous êtes d'accord. Mais non, pas du tout. Un seul cri. Un seul geste malheureux et je vous descends. Vous comprenez? C'est avec une extrême surprise que j'ai lu votre déclaration.
Le ton en est idyllique. Ce parc d'attractions, où vous vous promeniez, cette rencontre due au hasard, et enfin ce triste malentendu qui a tout gâché. J'ai pensé que ça vous plairait. Oh oui, certes. Malheureusement, je n'en crois rien. Vous me faites bien rire. Vous n'avez aucune charge contre moi et vous le savez. Vous connaissiez Floyd McLean avant son arrestation. Vous l'avez peut-être aidé à s'échapper. Ce qui aurait été pour vous un excellent motif de vous trouver au Prater, puisque l'affaire avait été arrangée entre vous. Ainsi, vous n'avez aucune preuve de tout ça. Un jour ou l'autre, Webster vous ferait une erreur. Et je vous jure que... Vous me collerez sur le dos tout ce que vous voudrez. Mais c'est encore trop tôt, Hoffman. Garde. C'est très bien comme ça, mon petit. Continuons à ne rien faire que nous regretterions tous les deux. Où se trouve ton appartement? De l'autre côté de la rue. Là-bas? Oui. Pas de surprise, surtout. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait que mon père et personne d'autre. Bon, ne le faisons pas attendre. Toi? Papa. Qui êtes-vous? Un fauteuil roulant? Ça, c'est marrant. Restez assis sagement et vous n'aurez pas à vous faire de bile. C'est chouette comme planque ici. J'ai comme une idée que je vais m'y plaire. Quoi de neuf, général? Rien, Jack, que dalle. Sans blague. En principe, les gros poissons font de grosses dates. Si McLean est encore à Vienne, il n'est dans aucune des planques dont les gars se servent d'habitude. Il avait des copains avant. Quand ça chauffe de trop, ils se font la malle. C'est forcé qu'il soit par ici. Eckert est sorti pour un instant, mais il va revenir dans exactement une minute. Exactement. Oh, vous verrez, le procureur est l'homme le plus ponctuel du monde. Il se met au travail à 9 heures tous les jours. Il n'a jamais manqué un rendez-vous et il repart pour rentrer chez lui exactement à 5h30. J'espère que ce que vous dites est vrai. À propos de quoi, mon cher ami? De vos habitudes de travail, il semble qu'elles soient très précises. La ponctualité est en elle-même une vertu. Mais toute prédiction pourrait bien être dangereuse dans les circonstances présentes. Ah, vous avez évidemment parlé à l'inspecteur Hoffman. Excusez-moi. J'irai droit au but, monsieur Eckert. Quand votre plaidoirie a fait condamner McLean à des années de prison... Comme si je devais tenir compte des chantages et des menaces dont je suis l'objet. Oui, mais McLean est dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Tous ses efforts doivent tendre actuellement à trouver un moyen de quitter le pays en vitesse. Il n'a pas besoin d'un pistolet pour passer la frontière. Et il en a un? Et il l'utilisera. Je ne me laisserai pas intimider par McLean ou par vous. Mais vous devriez accepter la protection de la police ou en tout cas prendre certaines précautions. L'inspecteur Hoffman dit que vous avez refusé un garde du corps. Peut-être devrais-je rester caché, c'est ce que vous suggérez, commandant. Ce ne serait pas une mauvaise idée. J'ai souvenance que Floyd McLean a formulé des menaces contre vous aussi. Vous ne semblez pas vous cacher pour autant. C'est mon devoir de le retrouver, ce n'est pas le vôtre. Je suis sûr que vous le ferez très bien, comme toujours. Maintenant, veuillez m'excuser, je prépare un dossier. Mmh.
L'hospitalité d'Hoffman a été magnifique. Je croyais vous avoir demandé de mériter ça. Ce sont les inconvénients du métier, vous devez commencer à le savoir. On a découvert comment McLean s'est évadé du fourgon cellulaire. Ça va vous faire une belle jambe. Il a payé un mécano du garage de la police qui a filé et que la police française a intercepté à Paris-Orly. Chouette. On a bien failli agrafer McLean au frater. Vous êtes venu me trouver, Caldwell. Moi, j'ai rempli mon contrat. Maintenant, c'est à Hoffman de jouer. Hoffman et ses méthodes n'arrêteront jamais McLean, et vous le savez. Si vous êtes venu me trouver, c'est surtout pour ça. Oui, vous avez eu votre chance et ça n'a pas marché. McLean n'aura plus confiance en vous. Maintenant, il a pris le maquis et dorénavant, ce n'est plus qu'un simple travail de police. Hoffman et ses hommes n'ont qu'à découvrir où est McLean et je ne tiens pas à ce que vous soyez dans leur pacte pour brouiller les cartes. Bon, disons que je suis sur la touche. Mais j'irai vous enterrer, vous et Eckhart. Merci pour vos bons souhaits. Je prends des souhaits. C'est bien un avertissement. Hoffman et ses gars peuvent protéger Eckhart jour et nuit et se cacher sous son plumard. McLean vous aura quand même l'un et l'autre. La seule méthode pour l'en empêcher, c'est ma méthode. La seule qui réussira. Oui, mais malheureusement, maintenant vous n'êtes plus dans le coup. Montez sur vos grands chevaux, hein, Caldwell. N'est-ce pas, Eckhart? Vous suez de peur parce que vous ne savez pas qui sera descendu le premier, mais vous êtes sur la liste. Vous pouvez en être certain. Rien ne m'arrêtera plus, Pépé. C'est ce que je crois. Vous êtes d'accord. Mais vous avez raison d'être d'accord. Hein? De quoi tu as trouille? Sois franche avec moi, tantôt à la terrasse du café. Quand je me suis assis à côté de toi, à cette table, tu avais peur, c'était écrit sur ton visage. Tu veux savoir pourquoi je t'ai pris en otage? J'aurais pu choisir deux ou trois autres moyens. Tu veux savoir pourquoi? Je ne tiens pas, non. J'ai senti que ce qu'il te fallait, c'était de l'émotion. Laissez cet enfant tranquille. Sinon quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Avant de faire quelque chose aux autres, on devrait réfléchir. Ils ont eu tort de ne pas y penser, Caldwell et Eckhart. Si vous tuez l'une de ces personnes, on vous enfermera pour la vie. Vous aussi, McLean, réfléchissez. Pour l'instant, vous avez une chance de leur échapper. Vous devriez la saisir. Ces deux hommes connaissent vos intentions. Il est probable qu'on les protège efficacement. Il ne vous sera même pas possible d'approcher de l'un ni de l'autre. Ta gueule! Sinon, je m'entraîne sur toi! Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux hommes. Caldwell et Eckhart. Ils sont déjà morts. T'inquiète pas pour le professeur. Il n'aura pas quitté la maison quand on viendra. Vous avez promis que... Oui, trésor. Et je tiens toujours mes promesses. Ne l'oublie pas. Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien. Et à lui non plus. Chaud comme un biberon. Hé, hey, t'aimes pas ça? J'ai peur, c'est involontaire. Tu sais bien que tu n'as strictement rien à craindre. Et que tu es aux premières loges pour voir le spectacle. Mmh.
Reste tranquille. Et surtout, ne bouge pas. Caldwell, ma ponctualité se révèle moins une qualité qu'un défaut. Excepté pour McLean, que vous avez fait son jeu. Oui, peut-être. J'espère que ce sera un avertissement pour vous. Soyez prudent. Soulève. Aucun élément. Et vous ? Un seul coup de feu. La balistique confirmera certainement qu'il a été tiré par un pistolet de la police. Celui que McLean a volé. De si loin? D'après nos calculs de trajectoire, le projectile est forcément parti de cette zone, que mes hommes ont réussi à réduire à ce point précis. On a retrouvé la douille. C'est un pistolet standard de la police. Comment? Ici? En plein au milieu de ce parc, avec des gens tout autour. On ne nous a rien signalé d'anormal. C'est un tir vachement précis avec un pistolet, et à cette distance. Au-delà de la portée où l'arme est encore précise. Évidemment, il a dû s'appuyer sur le vent, mais n'empêche... C'est de la précision et de la chance. McLean est vraiment plein de ressources, et une fois qu'il a décidé, il n'abandonne jamais. Vous ne vous sentez pas nerveux? Pourquoi? Je ne vois pas. Si j'étais vous, j'aurais le trac. Mais je dis ça, c'est ridicule, puisque je ne suis plus dans le coup. D'accord, vous y êtes de nouveau. Ça vous fait plaisir? Hoffman a été extra pour protéger Eckert. Oh, ça va bien, il a fait de son mieux et ce n'est pas sa faute. Si ça n'a servi à rien, vous êtes la dernière cible, Caldwell. Vous le prenez avec un courage que j'admire. Vous voulez signer? Inutile de signer, il saura de qui ça vient. Mais relis-la moi. Caldwell, Eckert, c'était du facile, trop facile. Mais je compte sur toi pour que ce soit plus intéressant. Je ne te dirai pas où, mais je te dirai quand. Bientôt. Très bientôt. Ça va. Ça vous amuse, ce petit jeu? Tu parles, que ça m'amuse. Je trouve ça vachement excitant. Mais qu'allez-vous faire de nous? Vous vous en foutez, professeur. Vous n'avez pas vécu assez longtemps? La violence n'a jamais rien résolu. Mais grâce à elle, on gagne du temps, ça n'est pas si mal. À présent, on va jouer au facteur. Ce que je te demande, c'est de la déposer. Rien que de la déposer et il la recevra, tu saisis? J'ai compris. Attention, si tu fais quoi que ce soit d'irrégulier, je lui mets un pruneau dans le citron. Tu y vas avec la lettre, tu la laisses sans te faire remarquer et tu rentres immédiatement ici. Comme une grande fille.
donne ça à Caldwell. Vous n'attendez pas la réponse? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Enfin, de quel droit? Ce n'est pas vous que ça regarde. Croyez-vous? Mademoiselle Hayes. Rendez-moi ça. Ce n'est pas vous qui m'empêcherez de repartir. Oh, mais si. Écoutez, je suis chez moi ici et tout marche selon ma règle du jeu. Mais vous ne comprenez pas, je vous en prie, laissez-moi repartir. Si, je comprends. Dites-moi où est McLean. Inutile, je ne dirai rien. Laissez-moi repartir sans perdre une seconde. Sinon, McLean tuera qui? Mon père. Je vous en prie, avant qu'il ne soit trop tard, il m'a dit de déposer ce message ici et de revenir aussitôt à la maison. Où est-ce que McLean vous attend? Allons, mademoiselle, ses promesses ne signifient rien. Si je vous laisse repartir, tôt ou tard, il tuera votre père et après, ce sera vous. Mais il m'a averti que... Je me charge de lui. Dites-moi où est McLean. Il m'a interdit de le dire à qui que ce soit. Et si jamais je reviens avec quelqu'un, il... Il pensait à la police. Mais moi, je suis un copain à lui. Julie, vous n'avez pas le choix. Oui. Tu es difficile à trouver, Floyd. C'est Jack Webster. Alors, tu ne m'ouvres pas? Où est la fille, Jack? Tu l'as envoyée à ma boîte, j'ai pensé que tu voulais me voir. Elle a la langue trop bien pendue. C'est mon charme personnel qui a opéré. Nous devions parler tous les deux au Prater et jamais on n'y est arrivé. C'est une bonne occasion. Je suis seul. Tu as toujours été persuasif, mais si tu tiens à ta peau, il faudra te surpasser ce soir. Où est Julie? Où est ma fille? Donne-lui la réponse. Où est-elle? Chez moi, en sûreté jusqu'à ce que je revienne. T'es malade, vieux. C'est bien que je ne sois jamais venu avec un flingue. On ne sait jamais, il y a un début à tout. Retourne-toi. À présent, qu'est-ce que je peux faire pour toi, en dehors de te laisser la vie? Me payer cher pour t'aider à sortir de ce pays. Je dois t'avouer que ta gentillesse m'inquiète. Il y a tant de façons plus faciles de faire du pèse, surtout pour toi. Ton but véritable, qu'est-ce que c'est? Caldwell. Tu sais que je ne l'aime pas plus que toi. Depuis le début de cette histoire, il s'occupe beaucoup de moi. Ah, tu as droit à ta part d'emmerdement. Et à ta part de profit, bien sûr. Ah oui, tu parles. Il s'amène chez moi, à ma boîte. Il me siffle mon whisky et il me jure qu'il me mettra là où il t'a mis. Oui, ça c'est Caldwell. C'était Caldwell. Depuis que t'as mis les bouts, il chante une autre chanson. Il a les jetons, hein. C'est exprès que je le garde pour la bonne bouche. Et puis c'est exprès aussi que je prends tout mon temps avec lui. Qu'il sente approcher lentement l'heure où ce sera son tour. Est-ce qu'il sue? Oh, il a froid dans le dos. Ça va, entre. Allez, monsieur le professeur. J'ai beaucoup de fric. Si tu me donnes ce que je veux, cette oseille sera pour toi. Il me faut un passeport, des arrangements sûrs pour le voyage et une main amicale tendue à la frontière. Cash et d'avance? Non, tu feras une exception à la règle. Cash et d'avance où il n'y a rien de fait. Je représente ta seule chance de quitter la ville. Bon, d'accord. Écoute, j'ai une planque en ville où j'ai laissé une grosse somme d'argent. On va aller la chercher tous les deux. Thank you.
C'est fermé. Toujours rien sur McLean? À votre place, je me planquerai. N'est-ce pas ce qu'Hoffman veut que vous fassiez? Hoffman a placé un garde pour protéger le professeur Hayes et sa fille. Eux, du moins, ne risquent rien. Il ne s'intéresse pas à eux, mais à vous. Et Hoffman s'intéresse à vous? Oui, malgré le certificat de bonne vie et mœurs du professeur Hayes, il y a encore un tas de questions restées sans réponse. Je regrette, ça devra attendre. Autant voir la situation en face. C'est McLean maintenant qui mène la course. Et ça, vous ne pourrez rien y faire. Vous croyez que je vais rester assis et attendre la suite? Nous savons qu'après, il compte bien mettre les voiles. Il choisira le meilleur emplacement, à la distance la plus confortable et la plus sûre à la fois. C'est-à-dire au plus de 70 mètres. Nous savons aussi qu'au-delà de cette portée, son tir manquerait de précision. Qu'est-ce que vous proposez, Webster? Faites-moi confiance. Je vis dans le même milieu que lui. Je connais ses trucs pour sauver sa peau. Très bien. À vous le commandement. Mais quand je dirai sauter, il faudra sauter. Parce que ça peut vous sauver la vie. À un poil près, vous comprenez? C'est ce qui se fait de mieux, monsieur. Et c'est une arme qui reste précise jusqu'à 800 mètres. Je l'achète. Vous ne voulez pas la soupeser un peu? Elle est parfaitement équilibrée. Je vois. Je voudrais des munitions aussi, s'il vous plaît. Je suis obligé de vous demander votre identité. Thank you.
Pas loin, dites donc. Qui ne risque rien n'a rien.